Bonjour et bienvenue. Je suis le docteur Ian Malcolm. Vous avez peut-être entendu parler de moi, ou plutôt, vous avez sûrement entendu parler de moi. Surtout maintenant que vous êtes ici. Devant vous s'étendent les îles que vous devez gérer, si vous le pouvez. Les 5 morts. Bon sang, si seulement. Si seulement il n'y en avait eu que 5. Bon, Isla Matanceros, un bon endroit où commencer. C'est une île relativement stable, l'idéal pour se faire la main avant de plonger dans l'univers impitoyable de ces créatures préhistoriques aussi géantes que dangereuses et affamées. Mieux vaut se préparer un peu avant, comme vous l'imaginez. Oui, bon, je suis Cabot, chargé des relations publiques et de la gestion de crise. Je suis là pour vous aider. Vous allez commencer par construire un labo de la création Hammond. Nous avons déjà commencé à construire un enclos. Vous n'avez qu'à l'installer à côté, mais attention aux dinosaures! Je plaisante! Quoique... On va se concentrer sur votre mission, à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des 5 morts. Ou plutôt, Las Cinco Muertes, puisque la langue locale, c'est l'espagnol. Évidemment, il faudra le relier au réseau d'allées existant et l'alimenter en électricité. Maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un dinosaure. On va commencer par un Struthiomimus. Cliquez sur le labo, puis sélectionnez un emplacement d'œuf. Les données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable. Les vaniteux se prennent pour Dieu, entendent changer le passé, défier les lois de la nature. Mais à part ça, tout va bien. Enfin, docteur, vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois, sans compter tout l'argent qu'on a investi. Oui, précisément, monsieur Finch. La dernière fois. Il y a toujours une dernière fois, et aussi une prochaine. La vie, la voilà qui commence. Quel grand moment! Le résultat d'innombrables actions et réactions, essais, erreurs, mutations génétiques et mystérieuses combinaisons. Un chaos absolu ayant mené à la création d'un être vivant et intelligent. Une entité unique. Et à présent, nous, enfin, vous les fabriquez. Les félicitations sont de rigueur, j'imagine.
La Fondation Hammond s'investit dans trois domaines clés. Le divertissement, la science et la sécurité. J'ai déjà prévenu les chefs des différentes divisions de votre arrivée. Ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe. Un petit conseil, acceptez un contrat. Ça vous aidera à développer votre parc. Ah, docteur Doua, je vous présente notre responsable des opérations. Oui, je sais à qui je parle, Cabot. Je suis le docteur Doua, responsable de la division science. Bon, il va falloir que vous amélioriez votre réputation auprès de la division science. Ma présence ne vous facilitera pas la tâche, mais vous vous y ferez. Tâchez de bien gérer vos dinosaures et de vous assurer qu'ils s'épanouissent. Les contrats proposés par les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle. Terminez-les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre parc. Et une dernière chose, votre réputation. Il va falloir la surveiller de près. Une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique. D'un point de vue financier, j'entends. Vous verrez, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Les divisions font tout pour attirer votre attention et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent ignorées. On dit que l'argent fait tourner le monde. Mais c'est faux. Ce qui fait tourner le monde, ce sont les contrats, les contraintes et les engagements. Terminez un contrat pour améliorer votre réputation auprès de la division science et vous pourrez entreprendre des missions encore plus complexes et stimulantes. J'ai une proposition qui devrait vous intéresser. Que diriez-vous de collaborer pour créer la vie dans sa forme la plus pure? Si vous avez parlé au docteur Malcolm, vous savez combien c'est important à nos yeux. À mes yeux. Je savais que nous nous entendrions.
Un esprit curieux, une détermination sans faille. J'étais sûre que vous ne refuseriez pas une telle opportunité. Bien, au travail. Ensemble, nous pouvons créer des spécimens plus authentiques. Mais pour cela, il nous faut un génome complet. Et je crois que vous pouvez m'aider. Alors ne me décevez pas. Le centre des fossiles vous permet d'extraire de l'ADN de fossiles ou d'ambres afin de créer de nouveaux génomes de dinosaures. Passionnant, non? Le centre de recherche permet d'améliorer le parc de différentes façons, en créant de nouveaux bâtiments, en les améliorant, etc. Parfait. Votre première équipe de fouilles est partie sur le terrain. Elle rapportera ses trouvailles au centre des fossiles, qui procédera ensuite à l'extraction d'ADN. Au final, votre boulot est assez simple. Il vous suffit de créer des dinosaures, d'attirer des visiteurs dans le parc et d'utiliser les revenus générés pour financer des recherches afin de créer de nouvelles installations permettant de créer encore plus de dinosaures. C'est le cycle de la vie, du développement et des ressources. La nature et le commerce. Simple, non? Je suis Claire Dering. Ce n'est pas mon premier séjour dans ces îles. J'ai commis quelques erreurs sur Isla Nublar et j'ai essayé de tirer quelque chose de positif de mon expérience. Je crois en notre projet, mais nous devons faire les choses dans les règles. Vous devez vous occuper de vos dinosaures. Il est primordial qu'ils restent en bonne santé. Nous avons reçu une proposition que vous devriez vraiment étudier. Thank you.
En prélevant l'ADN des fossiles que vous avez obtenu dans le centre des fossiles, vous augmentez la quantité de données viables à votre disposition pour créer des dinosaures. Thank you.